Georges Jacquat et je suis étudiant ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières où je finalise mon doctorat en administration. Mais aussi, je suis assistant de recherche au laboratoire de recherche sur les PME et puis chargé de cours aussi en administration. Donc, mon sujet de doctorat porte sur le rôle des dirigeants de PME dans le processus d'innovation durable. Pour vous donner l'exemple d'une entreprise, par exemple, qui fabrique des meubles en carton recyclé. La matière première vient d'une entreprise qui fournit ces cartons recyclés-là et l'entreprise fabrique différents modules de meubles qui sont vendus. Donc, je m'intéressais beaucoup plus à des aspects, pas des aspects techniques, c'est-à-dire de conception du produit, mais beaucoup plus tout ce qui est en arrière du processus de conception du produit. Donc, c'est-à-dire les relations avec les partenaires, comment est-ce qu'ils discutaient, comment est-ce qu'ils s'entendaient sur un certain nombre de choses pour finalement arriver à sortir une innovation, un produit par exemple ou un service qui rencontre les intérêts de différents acteurs qui ont des préoccupations sociales, environnementales ou économiques. Je suis venu ici au Québec et plus précisément à Trois-Rivières et à l'université parce que je m'intéressais d'abord aux PME. Okay? Et je savais qu'au niveau de l'Université du Québec à Trois-Rivières, il y avait donc un pôle de recherche qui existait sur la PME. Et puis ensuite, je m'intéressais aux innovations dans le contexte des PME. Et puis enfin, au développement durable, je sais que c'est une problématique qui intéresse beaucoup plus beaucoup le Québec et le Canada. Et donc, c'est ces trois aspects qui m'ont mené ici dans cette université-là. Et à cela, j'aimerais ajouter aussi la proximité entre les étudiants et les enseignants-chercheurs. Et cette proximité-là, elle est importante parce qu'elle offre une plateforme assez intéressante pour pouvoir développer des réflexions, développer des projets de recherche et puis aller plus loin dans sa recherche. Donc, en termes de réseautage, l'UQTR m'offrait une opportunité intéressante de pouvoir m'insérer dans un réseau d'experts et de chercheurs dans le domaine de spécialité qui m'intéressait.